Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.2, chers amis. Donc, on va commencer par faire quelque chose sur cette planète. Il y a un drôle de bruit, très étrange. Nous allons donc, sur cette planète Baron, construire une espèce de ferme, de colonie littéralement. C'est pour ça que sur le drapeau je l'ai appelé colonie humaine. Ce sera notre colonie à nous. Pour l'instant, je ne lui ai pas donné de nom. Vous allez pouvoir trouver des noms dans les commentaires. Vous mettez le nom dans les commentaires, comme ça va se passer sur plusieurs épisodes. Moi, je vais récupérer les noms qui me plaisent le plus. Puis on va faire un Astropole pour voir le nom qui vous plaira le plus dans ce sélectionné. Voilà. Donc, on va casser ça. Crac. On va d'abord placer cette planète. Donc, moi, j'ai choisi de faire cette planète Baron. Donc, c'est un truc où il n'y a rien dessus du tout. D'en faire une planète de type Lush. Il va me falloir des essences, ça je savais pas. Heureusement, j'ai toujours mon mode qui me permet ici de récupérer tout ce que je veux. Essence. Est-ce que je peux en récupérer en termes de... d'unité ou pas? Alors si j'en pose, peut-être que si j'en pose je peux en récupérer, je sais pas. Je sais pas du tout pour le coup là. Donc toi je peux te fermer du coup. Qu'est-ce qui se passe si je joue ces trucs là? Voilà. Donc je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. Ça va être très très lent cela dit. Ok. C'était pas prévu. En plus j'imagine que je peux reposer le même plusieurs fois de suite. C'est ça. Ok, bon bah. Écoutez, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Hop. Ça va être le seul moyen que j'en ai pour en récupérer. Pour l'instant, c'est juste vraiment, comme je l'ai dit, ce sera fait en mode admin. Hein. Comme d'habitude, chers amis. Hop. Jusqu'à ce qu'on soit bon. Alors, je voulais vous passer toute la partie pas drôle de la recherche de planètes, de la recherche de biomes. Mais apparemment, j'ai pas le choix. Donc voilà, je devrais être bon maintenant. Ah bon? Attends, il m'en faut combien en termes... Oula, casse pas tout Marcus. Alors je voulais surtout éviter de casser la planète. C'est déjà loupé. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que ce... J'ai pas récupéré les blocs. Ça va être ceux-là pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah j'aime, ça se peint pas dans la bonne couleur. Ah bah bien Marcus, bien. Apparemment parce que je suis en admin, ça se passe différemment maintenant. C'est cool. J'enlève le mode admin. Slash admin. Je vais récupérer 3 blocs quelque part. Ah bah non, ça revient les mêmes. Hein. Oula! Et les mecs, il va être temps de se calmer en termes de... de lag à la mort moelle nœud. Qu'est-ce que c'est que ce... bordel. Ah non, c'est du dry sand, je suis juste débile. Par contre, l'inventaire prend plus les couleurs, là autre chose. Ok, bon, c'est pas grave. 1250, il m'en faut. Putain. Du coup, on remet le slash admin. Hein. C'est marrant que je puisse pas me donner de l'essence directement. Encore malade, désolé. Désolé. Oh, d'accord. Ok. Il faut vraiment que je trouve un moyen de me donner de l'essence. Donne-moi un moyen. Je peux pas me donner de cette... Attendez. Consommable. Peut-être là-dedans. Non, ça va être que la bouffe. Ça va être que la bouffe. Activable. Ça, c'est pas bon. Ok, non plus. Quoique, attendez. Non. Throwable non plus. Instrument non plus, autre.
C'est pas un objet, ça le truc. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un objet. Du coup, comment je fais pour en récupérer? Prise Elite Star. Oh la vache. Et les trucs sont dans le jeu, chers amis, ça me permet de les voir au passage, hein, donc c'est cool. Par contre, ça me donne toujours pas de... Oh! Buste, buste, buste. C'est pas ça que je veux, moi. Comment je peux faire pour avoir moult trucs? Ah! Je vais te faire une ellipse? Je suis obligé de faire une ellipse? Mais je suis en mode admin, normalement je devrais pouvoir le faire quoi qu'il arrive. Non? Vous voulez absolument me niquer? Bon bah ellipse, hein. Voilà, re, chers amis. Donc, on va mettre tout ça à fond. Hop, crac, voilà. Terraforme-moi ça. Ok, il se passe quoi? Ça prend du temps? Faut que je déconnecte, reconnecte? Non, je sais pas. Apparemment, après quelques secondes, ça devrait changer. Après un petit peu de temps, comme ils disent. Ok. Est-ce que ça change en direct? C'est si long que ça? Terraforming in progress. Wouh! Il vient de se passer un truc! Ouh. Et ça marche vachement bien! Putain! C'est stylé! Avec les montagnes en fond, c'est encore plus stylé, honnêtement. Bon, par contre, je m'attendais à ce que ça change la parallaxe. Apparemment pas. C'est stylé! Bon! Bah, on va le laisser là. Et puis nous, chers amis, on va se mettre un petit téléporteur juste à côté, je pense. Est-ce qu'on le met vraiment juste à côté ou est-ce qu'on le laisse ici en haut de la colline? Ça peut être sympa en haut de la colline. Je vais y mettre peut-être des barrières. On va commencer à construire, chers amis, autour, hein. Hop. Alors, on y va. Allons-y, allons-y, allons-y. Des wall panels, non, certainement pas. Non, c'était juste pour voir ce que c'était en fait. Ok. Window lattice, non. Je sais pas ce que c'est, non. Ça, je vais pouvoir m'en rajouter 1000, hein. Je vais commencer par m'en rajouter comme ça. Voilà, hop. On peut déjà commencer à en mettre ici. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Crac. J'ai pas pensé à mettre, vous savez, la petite porte qui va avec. Bien dommage. La petite porte, ça va être sans doute là-dedans. Voilà, wooden gate. Parfait. Crac. J'en ai pris qu'une, quel con. De toute façon, faut que je laisse ce truc-là. Je viens de le dire, faut que je laisse ce truc-là ouvert. Enfin, faut que je... Mais non. Je suis con, j'en ai pris 100. Bon, c'est pas grave. Hop, hop. Je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens. Voilà, comme ça, crac. C'est pas trop trop mal. Peut-être pas mettre des spots électriques, plutôt des torches classiques. Je ne sais pas, attendez, qu'est-ce qu'on a en termes de lumière? Je pense qu'on doit bien trouver des lumières entre guillemets extérieures, si je puis dire. Là, on a que de l'intérieur, que de l'intérieur, que de l'intérieur. J'aimerais éviter peut-être un petit peu ça. Ça aussi, tant qu'à faire. Excusez-moi, c'est vraiment ennuyant. Est-ce que j'ai trouvé ce que je recherche? C'est grand ou c'est petit? Peut-être pas besoin de 200. Hop.
Voilà, c'est parfait ça. C'est absolument parfait. Bon. Il est toujours en train de terraformer? Non, il n'est plus en train de terraformer. Il va m'en falloir 5000 de plus pour pouvoir aller plus loin. Ok. D'accord. Donc là, en fait, littéralement, j'ai fait, j'imagine, quelques biomes de large. Ok. Donc voilà. Ça, pourquoi pas. Je n'ai pas envie de casser, comme vous le savez. Ah merde, ça a ramené des monstres. Ah, je voulais surtout pas que ça ramène des monstres. Ah, quel dommage. Je pensais justement que je pouvais rajouter un biome sans le moindre monstre sur une barren life. Ah, quel dommage. Bon, bah au moins on est au courant maintenant. Au moins on est au courant. Un petit peu de riz, c'est cool. Ok, bon bah c'est comme ça. Je sais que normalement il y avait des... alors attendez. Alors ça peut-être pas être dans les consommables mais dans les objets classiques. Peut-être dans les outils d'ailleurs. Laser mining tool, donc non, 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 non. Paint mode, non. Chainsaw. Ça, c'est encore autre chose. Ok, donc ça va pas être là-dedans. Pas être là. Ça se trouve, c'est là-dedans que j'allais trouver des trucs. Non, c'est bon, il n'y en a pas. Ok. C'est pas ça que je cherche, ça c'est les fossiles, ça m'intéresse pas. Et je vais bientôt avoir oublié ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est de quoi faire des... Vous savez, normalement... Ah, je vais regarder le nom que ça porte à l'autre poste. On revient. J'ai plus mon drapeau, donc je reviens pas tout de suite, non. Hop, merci d'être bien mort. Ah, ça m'énerve, je pensais vraiment pouvoir... enlever tous les monstres d'une zone, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc nous avons notre terraformer ici. On va quand même construire un petit peu de choses autour. On ira voir ça tout à l'heure. Alors, il va me falloir, en termes de blocs, ça va se passer ici. Stone. Alors, les stones, ça peut être très très bien. Vrect aussi, ça peut être très très bien. Moi aussi, je préférerais éviter. Donne ladder, ça peut être très très cool aussi. Ladder, mais dis donc. Je me rappelais pas de ça. Copper ladder, ok. Ah, dis donc, je m'en rappelais pas du tout de ça. Ça peut être intéressant. Là, je peux remettre un paquet, de toute façon, c'est pas grave. Ok. Pour ce qui est de tout ça, je peux quand même... je sais pas. Non, j'aimerais garder ça le plus authentique possible. Il va cependant me falloir de la roche. Cobblestone, donc. Classique. Je devrais le savoir. Hop, on m'envoie encore des mails. Arrêtez. Cobblestone. Je peux rajouter un 0 derrière. C'est pas grave. Crac. Ce sera nécessaire quoi qu'il arrive. Voilà. Ça rend pas si mal en plus. Je suis content. Ok. Vous voyez, par exemple, ici, il va m'en falloir un peu plus. Non, là, ici, je vais quand même par principe. Crac, et je vous montrerai ce que je en ferai une autre fois. Ici, par contre, je récupère ça. Je le mets là. Vous voyez, je vais équilibrer les choses un minimum. Crac. Hop. Pareil ici, je vais le récupérer. Vous voyez, je vais le mettre un peu plus loin, là, on peut le voir. Crac. N'oublions pas que cette fois-ci, c'est... cette terre, non, c'est pas celle-là. C'est pas ça non plus. Est-ce que je la récupère seulement? Est-ce que je l'ai récupérée seulement? Mince, j'ai pas vu le shot, donc je sais pas si je l'ai récupéré. Crac. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Donc c'est bien celle-là que je récupère, mais c'est pas de la bonne couleur. V'là autre chose. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais devoir rajouter quelque chose d'autre au milieu. Et ce sera de... Ce sera de ça. Ah mince. Mud. Ah, c'est chiant ça.
C'est chiant que ce soit pas de la bonne couleur. Si je vire ça. Si je vire la terre que j'ai. Juste pour voir. Juste histoire de. Et que je récupère la terre originale. Ce qui ne crée pas un nouveau. Ce qui crée un nouveau, vous savez, un nouveau truc. Elle a encore une fois de la mauvaise couleur. Bon. Et même si je la place, c'est toujours de la mauvaise couleur. Voilà autre chose. Problème. Ok, bon, bah on va partir sur de la mud alors, hein, sans pis, ça va être dégueulasse. Mud, 1000, merci. Bon, remarque, dégueulasse, je sais pas si ça le sera véritablement. Là, par exemple, vous voyez, je vais le corriger aussi. J'aimerais pas que ce soit trop plat, vous savez que ça fasse pas suffisamment réaliste, mais j'attends quand même un minimum de... Voilà. Crac. Voilà. Hop, hop. Parfait. Ce qui permet de grimper là sans problème. Ce qui est très très bien. Donc là, ça rend moins bien. Pourquoi? Parce que... D'accord. Oui, ok. Pourquoi? Parce que justement... Là, les blocs sont bien mis. Et là, les blocs... Enfin, non, justement, les blocs sont mal mis. Et là, les blocs sont bien mis. Vous voyez? Crac. Bon, c'est pas grave. Hop. Du coup, là, on a un petit truc qui semble fait de manière... plus ou moins naturel, on peut voir le truc en plein milieu. Je vais le mettre ici, le téléporteur. S'il veut bien se mettre centralisé. Non, il veut pas se centraliser. Je peux très bien le mettre là aussi, vous me direz. Il sera centralisé. Je vais couper la fleur rouge. Voilà. Hop. Ce qui va le centraliser ici. Hop, voilà. Je vais mettre, encore une fois, mes barrières. Aussi, je vais pas les fermer, je vais juste les laisser comme ça. Hop. Et on va mettre le téléporteur, donc on va mettre colonie. On va mettre point d'interrogation colonie 1. Hop, comme ça vous saurez me donner les noms directement dans les commentaires, chers amis, ça va être cool. Ok, donc on a... Alors j'ai oublié de mettre un petit peu de pierre ici. Voilà. Crac. Et on est plus ou moins bon. Pour cette première zone. Je vais vraiment éviter de tout détruire. C'est vraiment l'objectif, c'est éviter de faire de la destruction à la chaîne. Maintenant que nous sommes à côté du téléporteur, j'aimerais ici rajouter quand même quelques petites choses qui correspondront à des box, hein, tout simplement. Les box classiques que vous connaissez tous, chers amis, qui me permettront de ranger mon matériel directement dedans, mon matériel tout de suite là que j'ai actuellement dans mon sac. Je suis pas dans le bon truc, ce sera ici, pardon. Crac. Voilà. Elles sont donc arrivées ici. Crac. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Alors. Tout mon bordel. Crac. Va entrer là-dedans. Vous voyez que j'ai plein de merde sur moi. Mais aussi des choses bien. Hop. Je vais essayer de me focaliser sur certaines, uniquement certaines choses par boîte, si je puis dire. Vous voyez que j'ai quand même pas énormément de choses. Cependant, ouais, je vais... Ah merde, je me suis chié dessus, là. Hop. Je voudrais profiter d'un maximum d'espace et d'un minimum de tri, simplement. Hop. Pour ce qui est des liquides, je vais les garder. Tout ce que j'ai déjà en 1000, j'aimerais le garder. Donc ça, j'aimerais le garder aussi. Liquide, j'ai dit que je voudrais les garder. Ça, je garde. Ça, je peux virer. Ça, je garde. Hop. Du coup, peut-être ça, je peux virer aussi. Hop, ok, ça c'est bon.
sais pas si je l'ai faite celle-là, oui je l'ai faite. Et ici, donc du coup, tout mon bordel rare, je vais le mettre dans une boîte ici. Ça me fait du mal, mais c'est pas grave. Et je vais juste garder, on va dire l'arbalète. Hop, soyons fous. Crac. Ok, on est bon. Bon, alors on a fait notre premier rangement, on a fait tout ce qui va avec. On a fait notre... j'ai oublié, alors j'ai dû ranger dans les objets du coup les choses qui m'intéressaient, en l'occurrence ça et aussi cela. Alors j'aimerais éviter, bon remarque ils sont là, donc ils sont là, c'est bon, crac. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Et puis je pense qu'on va commencer la ferme ici. Ce serait peut-être pas mal. Donc pour ce qui est des constructions, je vais quand même les mettre sur certaines bases, hein, chers amis. Hop. Donc ça vaut le coup pour toutes les constructions que je vais construire. Donc là, on va commencer par un bâtiment, donc du coup. Je pense que je vais le commencer ici. Et que je vais le terminer là. Hop. Donc je vais casser ça. Je vais juste, hop, par principe, ici. Voilà, comme ça. Et donc, je vais quand même les mettre sur des bases, donc comme je l'ai dit, classiques. Mais comme nous sommes sur des bâtiments, entre guillemets, de type ferme, je vais peut-être partir sur une base de roche. Hop. Crac. Sur laquelle je vais rajouter par-dessus, donc, un parquet. Peut-être pas, justement, à l'entrée. Vous allez voir pourquoi. Un parquet. Comme d'habitude, vous savez que mes constructions sont toujours de manière maniérée, on va dire justement, ça va être vraiment le terme en question. La porte devrait se trouver de cette taille-là. Ok. On va prendre aussi du bois en plus, hein, en termes de cubes. Timber, 1000, voilà, ça fait du bien par où ça passe. Pourquoi pas. J'en ai pris peut-être un petit peu trop par contre. Si je casse ça d'un bloc... Attendez. Parce que j'aimerais regarder le principe du parquet. Ok. Je vais mettre mon cube ici, il n'y a pas de souci. Voilà. En termes de porte, donc, j'ai dit. Oui, en termes de porte. Je peux peut-être même commencer à faire l'intérieur. Hop. Voilà. Ce sera pas une très très grande bâtisse, hein, vous allez voir, ce sera vraiment assez petit. Hein. Du coup, il va me falloir ici par contre du bois. Tiens, je vais d'ailleurs prendre ça, au passage. C'est quoi la différence entre les deux? La couleur du bois. Ornat de plateforme, je vais prendre plutôt ça. C'est presque dommage que ça soit pas parfait. Attendez, si je fais ça. Tout le monde n'y verra que du feu. Tout si je rajoute des trucs par-dessus, on verra ça une autre fois, vous verrez quand même ce que je veux faire. Voilà. Est-ce que je descends d'un bloc ou pas quand je fais ça? Non, c'est bon, ça passe tout seul. Ok. On peut faire partir là-dessus alors. Ok, voire même si je peux, regardez, jouer la comédie, si je puis dire, jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chercher la petite bête. Remettre un cube de roche derrière, comme ça, voilà, ça se fond peut-être un petit peu plus dans la masse. On verra quand il y aura de l'éclairage. En termes d'éclairage, d'ailleurs,
Non, on verra ça tout à l'heure en termes d'éclairage. Au niveau des fenêtres, je vais peut-être en faire plutôt sur 3. Ici. Ce qui me permet de faire du 2 là. Mais là, ce ne sera pas des fenêtres. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Toujours rechercher là-dedans. En termes de cubes. Ça, c'est des blinds. Bridge block, d'accord, c'est intéressant. Voyons voir ce que ça donne. Si je veux faire, imaginons. Crac. Ceci. Ok, ça me semble pas trop mal. Et donc ça marche comment? Alors visuellement déjà ça marche pas. Visuellement ça marche pas. C'est assez incompréhensible. Et ça m'a redonné des plateformes. Alors là, je peux vous dire que je suis assez sur le cul. Donc visuellement ça marche pas. Donc c'est donc un objet que je peux pas obtenir de manière classique. Du coup ça m'embête. Parce que c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Ça m'embête. Ok. Je peux regarder quand même. Je vais regarder juste vite fait, chers amis. Ici. Bah tiens, ils ont disparu les autres. Non. Les voilà. Je vais en prendre quelques-unes. Je supprime celle-là. Et celle-là, si je voulais les placer, est-ce qu'elle ressemblera à quelque chose? Non, elle ressemblera à rien. Oula, j'ai cassé des choses en plus. Corrige ça, Marcus. Ok, bon bah c'est un peu dommage. Parce que pour le coup, j'ai espéré. C'est dommage. Ok. Ce sera plutôt là du coup que ça commencera. Vérifions si je me trompe ou pas. Alors attendez. Partir sur un principe simple, c'est que d'une. Tout ça, c'est déjà comme ça. Est-ce que je fais une toiture plus grande ou pas? Est-ce que je fais une hauteur de plafond plus grande? J'aime bien la hauteur de plafond plus grande parce que du coup j'en ai. Ouais, on va faire ça comme ça, regardez. Ça aidera parce que vous allez voir. Du coup, si je fais ça. Autant de chaque côté, par contre, ce serait bien, Marcus. J'ai dit autant de chaque côté, Marcus. Voilà. Hop. Est-ce que je peux. Où est-ce que j'arrive quand je fais ça? Plutôt. J'arrive un cran plus loin. Ah! Il a fallu que je la fasse en. Merde. Il fallait que je la fasse sur une base de 1 et pas sur une base de 2 au milieu. Et puis maintenant, j'ai pas envie de la rechanger. Du coup, comment je fais? Avec une base de 2, est-ce que je peux par exemple. Faut que je réchefflisse. Marche plus ça. Il faudrait que je parte un cran plus loin. Donc non. Donc on va partir sur une échelle, c'est pas grave. Ou alors on part sur un. Sur deux escaliers de chaque côté. Non, c'est la maison est pas assez grande pour ça. On va partir sur des échelles classiques. C'est pas grave. Du coup, oui, bah comme tu veux pas que je. Ah non, j'avais pris des ornates exprès. Exact. Exact, exact. Je fais de la merde, je suis désolé, chers amis. J'avais pris des ornates exprès. Juste supprimer la première ligne pour éviter d'avoir à grimper à chaque fois. Crac.
Et cette ligne là aussi parce que ça sert à rien. Du coup, par principe, je vais retirer de chaque côté. On remarquerait que ça fait une forme particulière. Hop, ce qui est plus ou moins ce que je cherchais à avoir. Donc voilà, on obtient ça. Et on obtient donc notre premier niveau de la ferme. Alors notre premier niveau de la ferme, il servira pas à grand chose. À part à mettre juste du cosmétique. Et au-dessus, on aura donc un lit. C'est vraiment la ferme de base. Après la ferme, donc j'imagine qu'on la fera donc à ce niveau-là. Vous voyez ? Même à ce niveau-là, entre les deux. Ouais, on va la faire là, je pense. On va la faire là, je pense, chers amis. Donc à ce niveau-là. Crac. On fera un autre bâtiment. Et on mettra donc les bêtes, littéralement, entre les deux. Je pense que ce sera pas mal. Comme vous avez pu le voir, de ce côté-là, il y a une montagne. Et ce ne sera pas un véritable problème, vous verrez. De toute façon, je pense que je créerai une mine aussi de ce côté-là, mais je sais pas. On verra. On verra, on verra. L'objectif, c'est peut-être pas vraiment de faire une mine. C'était vraiment de faire une colonie, une première colonie. Ok, bon. Je pense qu'on a placé donc les premières bases de la construction, chers amis. On a placé... Alors ça va pas, hein. Ça va clairement pas. Hein. Ça m'embête cette histoire. Sauf si je fais ça. Et dans ce cas-là, là, ça passe. Je mets un autre ornated, pardon. Moi-même, je sais pas si je peux coupler les deux. Non, je peux pas coupler les deux. Je mets un autre ornated alors, du coup. Hop. Je peux faire pareil ici, cela dit. Voilà, on obtient plus ou moins un truc intéressant. De toute façon, vous inquiétez pas en termes d'objets autour. Je corrigerai ça, vous verrez comment prochainement, chers amis, vous inquiétez pas. Hop, alors j'en mets ces cubes-là exprès, parce que par principe, je vais quand même rajouter des lumières. Alors, comment ça s'appelle ces lumières-là que j'ai déjà? Oil lamp. Donc, je pense que... Oil lamp, pardon, excusez-moi, je suis pas du tout dedans. Ça va être là-dedans. Oil... Je les ai vus. Oil lanterne. Je sais pas si je peux... Par exemple, si j'en ai pris 1000, est-ce que je peux les poser contre un mur? Non, je peux juste les poser au sol. C'est dommage. Mais ça peut s'arranger. Regardez. Crac. Oui, parce qu'en fait, je pense que, en règle générale, ce genre de truc-là, c'est plutôt ce qui va dans une colonie plutôt que dans une maison unique. Enfin, dans une maison unique. Donc, je préfère mettre des trucs comme ça. Quitte à rajouter. Est-ce que j'ai du roofing? Du wooden roofing? Je sais pas si ça existe. Roof. Alors, ça sera dans les cubes, hein, déjà de base. Voilà. Copper, roof tile, ornate. Cabine. Je vais prendre ça, on va bien voir. Crac. Pourquoi tu ne veux pas? Apparemment, tu ne veux pas du tout. À cause de la truc. Ok. Donc, apparemment, elle fait une taille plus importante que ce que je pensais. Ce qui m'embête, je l'avoue. Ce qui veut dire qu'en fait, littéralement, je ne peux pas même pas mettre un ornate ici. D'accord. Déjà, je vais rajouter ça là. Crac, crac. Parce qu'ici, de toute façon, en dessous, il y aura le parquet. Crac. Vous comprendrez pourquoi je fais ça. Dans quelques secondes, chers amis, regardez. Hop. Donc, normalement, là, je peux garder, vous voyez, l'espèce de... Ah, je pensais que je pouvais le garder. Quelle horreur. Ah, j'aurais juré que je pouvais le garder. Ah, c'est pas grave, tant pis. Ah, je suis vexé. Honnêtement, je suis vexé. Je pensais que je pouvais garder en fait la forme de triangle jusqu'au bout. Mais finalement, non. Bon. Écoutez, tant pis, c'est comme ça. Hop. Hop, ok. Ici, au milieu, on va garder quand même le bois de ce type-là. Important. Et hop.
On a à nouveau notre double niveau, là, classique. Donc, est-ce qu'il est intéressant de les mettre aussi bas, les lampes? Parce que du coup, quand je vais mettre ma porte, on va mettre les portes. Et après, je finirai l'épisode là-dessus. Porte. N'y a pas d'ornette. Wood. Panel, wooden. Wooden hatch. On va plutôt partir là-dessus, pardon. Crac. Alors, je sais toujours pas comment colorer ces objets, hein, au passage. Hein. Je sais pas si le mode paint ça marche ou. Non, il me semble que non. Hein. Je sais toujours pas comment colorer les objets. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que voilà, est-ce que comment ça passe là? Vous voyez, là ça passe pas, je trouve. Hop. Je vais rajouter un cran au-dessus parce que je trouve que ça passe pas. Ok. Crac. Oh, même deux crans. Non, un cran. Un cran, je sais pourquoi. Je sais comment je vais me débrouiller. Ok. Crac, une lampe. Ça rend pas si bien que je prévu. Je ferme les portes. Ici, ce sera où elles sont? Là. Crac. Hop. Ah, c'est pas aussi bien que ce que j'imaginais. Je pensais espérer pouvoir avoir une ligne. On va regarder ce que j'ai en termes de cube. Je veux sortir du wooden. Regardez si j'ai pas des colonnes de quelque chose, ça pourrait être sympa. À la base, je voulais avoir qu'une seule ligne en fait, chers amis, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais pas avoir tout le. Le wooden lock, je sais pas si. Je vais en prendre, on va bien voir. Je sais pas s'il peut se mettre à l'horizontale en fait. Parce que s'il peut, ce serait. Ah la vache, ils ont du. Ils ont un parquet qui est joli. Sérieusement? Bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'il se découpe facilement. Sans le moindre problème. Ah, c'est joli ça. C'est très 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 joli. Ok, on part là-dessus. L'épisode qui s'éternise. Heureusement que j'avais dit que dans le précédent vidéo que je continuerais sur les épisodes assez courts. Parce que ça permet d'être plus facilement lisible pour vous. Merde, je suis allé un petit peu trop loin. Hop, voilà. Crac. C'est marrant, il est beaucoup plus foncé ce Tornate. Mais ça passe bien, remarque. Ça passe plutôt bien. Ok. Ça, c'est bon. Donc moi je cherchais à la base, voilà, je voulais voir si le timber pouvait aller droit par exemple. Hein. Hop. Fait, l'objectif ce serait de pouvoir réussir à mettre un truc unique quoi, c'est. Ouais, ça par exemple, je trouve pas ça beau. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Colonne unique, colonne unique. Voilà, ce sera dans les objets. Si je vais dans les objets, décoration. Bon, ça va être plutôt là-dedans, donc non, là ça va être que les tables, décoration, une colonne. Alors faut que je trouve la bonne colonne de la bonne taille. Wood. Stand, vous voyez, donc ce sera des stands pour l'instant.
Si je mets juste stand, qu'est-ce que j'ai? Rien que je ne recherche. Je sais pas comment ça dit colonne en... en anglais. Non, je sais pas. Pour le coup, là, je sais pas. Je ne sais pas et ça m'embête. Ah! Non, là, j'en ai aucune idée. Sauf si je peux en mettre plusieurs comme ça les uns sur les autres, ce qui m'étonnerait. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Question, si je fais ça, est-ce que je passe toujours par la porte? Où c'est là, ici. Ouais, mais c'est moche, c'est atrocement moche. Ok. Bon, bah tant pis. Je sais pas comment faire ça. Ça va pas. Je vais en donner un petit peu de relief, mais j'arrive pas à trouver comment. Avec un bout de parquet. Non, ça me semble pas bon. Tout petit peu de relief. C'est tout ce que je demande. Hop. Là, vous voyez, il y a un truc qui va pas. Pourquoi pas tout simplement. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Ici. Crac. Juste sur deux niveaux. Crac. Juste sur deux niveaux. Est-ce que je peux par exemple mettre cet objet-là en fond? Vous voyez, je fais ça. Alors, ce qui est débile, c'est que c'est un truc que je vais pratiquement pas voir, chers amis. Hein. Pensez-y. Hein. C'est un truc que je vais pratiquement pas voir. C'est vraiment de l'ordre du détail, pardon. J'aimerais juste voir si je peux modifier la forme de ce truc-là. Apparemment, vous voyez, il y a une forme particulière ici que j'arrive pas à récupérer de l'autre côté, c'est dommage. Donc ce sera pas ce cube là non plus. Ah, c'est embêtant. Juste pour ça, chers amis. Merde, y a un mec qui arrive. Crac, problème résolu. Et si je pars sur du roof classique, qu'est-ce que j'ai en roof classique? Essayons ça, est-ce que ce sera différent avec ça? Ce sera peut-être différent avec ça, cela dit. Peut-être un peu mieux, effectivement. Et si je voulais être... Hop. Je partirai là-dessus, crac. Et voilà qui serait peut-être pas si mal. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi j'ai une lumière, pourquoi j'ai un autre support, j'ai un support sous la lumière en fait. Et du coup, je peux peut-être poser directement ma lumière dessus. Voilà. Si j'avais pu, j'aurais même peut-être posé sur le côté. On va regarder un truc vite fait. Catégorie lumière. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Je veux absolument mettre le même type de lumière, mais... C'est peut-être là qu'est mon problème, justement. Je vais prendre celle-ci. Que ça reste une lampe à huile, hein, aussi, ça. Hein.
Ça, j'imagine que c'est... Voilà, c'est... particulier. Saloon Light. Ah, attendez. Attendez, 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 attendez. Hop, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. J'enlève ça. J'enlève celle-là. Je mets ces grandes-là. Ah, ça passe pas ici. Peut-être un poil grand. C'est peut-être un poil grand. Enfin, un poil épais, si je puis dire. Ah, ça passe. Ça passe, ça passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui veut dire qu'ici, je peux mettre les classiques. Je peux peut-être même l'accrocher comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début, en fait. C'était l'accrocher comme ça. En termes d'éclairage, c'est peut-être pas top, par contre, hein, mais j'apprécie celui-ci. Ok, donc ici, je peux rajouter à l'intérieur de l'éclairage là et là. Et ça me semble pas trop mal. Bon, 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 bon. Pour un début, je suis pas trop mécontent. Pour un début, je suis pas trop mécontent. Je vais, par principe, rajouter un tantinet de relief ici, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être pas trop mal, effectivement. Avec pourquoi pas. Pourquoi pas ça? Voilà. Hop. Histoire de rajouter un petit peu de détails, chers amis. Et nous allons nous laisser là pour ce premier épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus. Enfin, premier épisode de construction. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!